creux un nouveau terrier. Les renards peuvent creuser plusieurs trous dans la neige au sein de leur territoire. Bienvenue sur votre messagerie. Nouveau message reçu hier à 22h44. D'abord creuser des abris provisoires. Allô ma chérie? Ouais, c'est maman. Je t'appelais pour prendre de tes nouvelles. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais... je suis à l'hôpital, mais bon, rien de grave. C'est pas comme si ça t'avait un jour intéressé, hein? Bon, ben, tu dois dormir, donc... on se revoit vite. Je t'aime. Salut, c'est moi. T'es où, là? T'es toujours chez toi? Bon, écoute, maman est à l'hôpital, là, ça va pas du tout, y'a rien qui va, je sais pas exactement ce qui se passe, papa m'a appelé, mais ça va plus, ça, il m'a dit que c'était grave, tu dois venir maintenant, c'est ta mère, Léa, après tout, putain de mère, c'est ta mère, elle a besoin de toi, s'il te plaît, mais laisse pas tout seul, t'as pas le droit de faire ça encore, on a besoin de toi, maman a besoin de toi, ok? Je peux pas supporter de la voir comme ça, putain, oui. Viens, dépêche-toi. Rappelle-moi vite. Rappelle-moi vite. Hôpital Le Confluent, secrétaire du docteur Sommel, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, j'appelle pour savoir s'il était possible de connaître le numéro de la chambre de ma mère. Oui, bien sûr. Quel est le nom de votre maman? C'est Rougin. Je transmets votre appel au médecin. Bonjour, je parle bien à Léa Rougin, fille de Martine Rougin? Oui, c'est moi. Vous n'avez pas été prévenue? Non. De quoi? Votre mère était très fatiguée. Son état de santé s'est rapidement dégradé. Malgré les efforts de l'équipe médicale pour la sauver, nous n'avons pas réussi. Je suis vraiment désolé, elle n'a pas survécu.